Oh non, encore des voleurs de bonbons. Il y a quelque chose que j'aime pas dans Halloween. Donner de délicieux bonbons à de parfaits étrangers au lieu de les manger. C'est Halloween. C'est bon, j'arrive. En voilà un pour toi. Un pour toi et enfin un pour toi. En voilà un pour moi, un pour moi et enfin un pour moi. Mon réglisse. Hé, Garfield, essaie de ne pas manger tous les bonbons, d'accord? Laisse-en pour les enfants. Hé, le bol est déjà vide. Il n'y a plus de bonbons. Tiens, je me demande où ils sont passés. Je ferais mieux d'aller en acheter d'autres. D'abord, prépare le dîner. Ensuite, tu vas en acheter d'autres. Oh, voilà d'autres enfants, vite! Garfield, ouvre la porte! Dis-nous, friandise! On vous déguise! Désolé, plus de bonbons, revenez l'année prochaine. Garfield, ça suffit! Ouvre la porte et donne-leur quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, prenez les à vous. Garfield, tu ne peux pas donner Audi. Oh, comme c'est gentil. Les seuls bonbons qui nous restent sont ces caramels qu'on n'a pas mangés l'an dernier. Ne touche pas à ça. Oh, ça risque pas, il y a des choses que je ne mangerai pour rien au monde. Et les caramels, je déteste. Oh, tous ces bonbons que je pourrais manger. Tout ce qu'il me faut, c'est un déguisement. Voyons, Audi, t'aurais pas une idée de costume? À part celui du chat bien dodu. Plus le costume fait peur, plus t'as de bonbons. En quoi pourrais-je me déguiser qui fasse vraiment peur? Je vous parle en direct du zoo où les visiteurs s'attroupent pour voir ce qui pourrait être la créature la plus effrayante jamais vue. Effrayante? On l'appelle Godzilla, un rare et proche descendant du tigre préhistorique à dents de sabre. Tout le monde a l'air d'avoir très peur de lui. Ce qui doit vouloir dire que les gens lui donneraient tout plein de bonbons. John ne m'en voudra pas si j'utilise sa peinture. Et pour une raison bien simple, il en saura jamais rien. Où est ce morceau en peluche là que John a gagné à la kermesse l'an passé? Mais où il est? Ah! Ça te dérange si... Bien sûr que non, tu n'es qu'un jouet. Maintenant, je dois travailler mon jeu d'acteur. Non, ça va pas. Si je dois avoir l'air méchant, je dois penser à quelque chose qui me mette vraiment, vraiment en colère. Ma désolé, mon chat Thomas, nous n'avons plus de pepperoni pour ta pizza. Je mets des anchois à la place. Non, plus en colère que ça. Allez, Garfield, quelques exercices d'aérobic et après, on mangera de la laitue tout le mois. Toujours pas. Il faut vraiment quelque chose qui me rende furieux. Hé, hey, Garfield, c'est moi, Nermal. Je vais venir habiter chez toi et je vais dormir dans ton lit. C'est ça. À moi les bonbons. Hé, on regarde les infos? Avant de terminer, retournons voir un peu ce Godzilla. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près de cette bête féroce. Où est la bête féroce? Où est ce Godzilla? Oh, il a disparu! Godzilla s'est échappé! Oh! Oh! Je file verrouiller les portes! On n'est pas loin du zoo! J'espère qu'ils ont des perlingots! J'espère qu'ils ont des perlingots! Ah! Godzilla s'est échappé! Oh, je devrais dire aux enfants de rentrer chez eux! Oh, vous avez entendu? Il paraît... C'est un bon début! Les pas de berlingot! Oui, c'est ça! Godzilla, il est dans ma rue! Envoyez de l'aide, enfin! Ah, Godzilla! Encore plein de bonbons! Mais toujours pas de berlingot. Bien sûr que je l'ai reconnu. C'est Godzilla. Il est là devant chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils n'ont jamais goûté un des berlingots.
C'était Katzilla, j'en suis sûr. J'étais justement en train de regarder les nouvelles quand ils ont annoncé son évasion du zoo. Je ne vous entends plus. Voyons voir. 23 maisons, 23 vols de bonbons, total en berlingots, zéro. Peut-être que j'aurai plus de chance avec les 23 prochaines maisons. Il est là, juste en dessous. Rendez-vous, vous êtes charmés. Il essaie de s'échapper, tous après lui. Il passe par-dessus la clôture. Braquez le projecteur sur lui. Est-ce que je dis à tout le monde ce que vous faites? Une cachette. Allez, vite, une cachette. Aucun signe de lui ici. Dès qu'on l'aura attrapé, on le met dans un bateau direction la Sibérie. La Sibérie? Je voulais juste des berlingots. Il faut que je rentre à la maison. Je serai en sécurité là-bas. Presque arrivé. On nous signale la présence de Katzilla dans les quartiers ouest. Il est extrêmement dangereux et nous vous recommandons une extrême prudence. Surtout, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Tiens, on dirait Katzilla. La force! C'est Katzilla! La force! Allô, la police! Ici John Arbuckle. Katzilla est dans mon jardin! Faites vite! Mais arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'enlever mon sale papa de ma fourrure! Je suis tatoué, vous savez! Allez! Bon travail, on le ramène tout de suite au zoo! Bien fait pour lui! Allez, comme vous avez qu'il faut! Je suis sans Katzilla! J'habite dans cette maison! Là! Il est là, Katzilla, il est là! Il est en train de rentrer dans ma maison! On a eu chaud! Imagine ce à quoi on vient d'échapper! Rien que d'y penser, j'en ai des frissons! Laissez-moi sortir! Je veux un avocat! J'ai droit à un coup de fil, je le sais! Vous vous êtes trompé, je suis pas Katzilla! Il est chez moi dans ma maison et menace mon chien et le type qui cuisine mes lasagnes! Il faut que je sorte d'ici! Oh, c'est ouvert en haut! Peut-être que si je grimpe. Je veux le faire! Je peux pas le faire! Peut-être que je pourrais forcer les barreaux. J'abandonne. Je suis pas un super-héros. Je suis pas un champion de musculation. Je suis juste un chat mou et bien dodu. Je suis un chat mou et bien dodu. Y a quelqu'un? Je suis pas censé être là. Miaou! Tu n'es pas censé être là. Tu n'es pas Katzilla. Tu n'es qu'un chat mou et bien dodu. Où est Katzilla? Je crois que je sais où il est. Et je dois rentrer à la maison avant qu'il ne prenne Audi et John pour des bonbons. Eh oui! Ça te dit un fruit, Audi? Dis donc, t'aurais pu m'en laisser un. Je vais nous en chercher d'autres. Je trouve pas l'interrupteur. Mais pourquoi il est plein de poils? Katzilla! John! Audi! Katzilla est ici! Vous le saviez déjà?
peut peut-être lui donner un truc à manger. Un os de lit ou sa niche. Non, je sais. Vas-y, vite. Dépêche-toi de retirer le papier de ses bonbons. Voilà, l'ami, bêtise ou friandise. Ça colle aux dents, les caramels, hein? On est tranquille pour un moment. Tu risques pas de nous mordre. Le voilà, c'est Katila. Embarquez-le. Direction le zoo. Vous devez être rassuré de l'avoir retrouvé. Ah, ça, c'est sûr, ça. Oh là là, c'est l'heure de son repas. Oh, pour moi aussi, c'est toujours l'heure du repas. Katila a un appétit d'ogre. Il dévore 10 steaks d'autruche, 2 saumons à chaque repas. Un roast beef ou 2, une douzaine d'escargots, et en dessert, croyez-moi si vous voulez, son mets préféré, c'est des berlingots. Oh, mais c'est merveilleux, des berlingots. Oh, alors ça vient, oui, c'est l'heure du repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, non?